PyCon, c'est un gros événement pour nous, pour Montréal Python, mais c'est aussi un gros événement en général, je pense, pour la ville de Montréal. Pourquoi Tourisme Montréal était si intéressé à nous aider à avoir cette conférence-là? C'est pour la visibilité que ça donnait à la ville, mais pas au Québec en tant que tel, mais dans le monde et plus particulièrement aux États-Unis, en fait. Donc, en gros, PyCon, ça va rassembler, je pense, au moins 60 % d'Américains vont être présents à la conférence. Donc, c'est peut-être 1500 personnes qui vont se déplacer de partout aux États-Unis pour venir à la conférence. Donc ça, il y a déjà un aspect, ne serait-ce que purement économique, de dire bien, il y a des gens qui sont là, ouais, l'hôtel, 3, ben ouais, 4, ça c'est clair, jours, ça fait rouler l'économie. Mais c'est aussi en fait 125 sponsors, 125 commanditaires. Donc on parle des plus gros en fait, on parle de Yahoo, Google, Disney. Toutes les grosses compagnies de la Silicon Valley vont être présentes sur place. On veut que ces compagnies-là s'installent ici en fait. Plus il y a d'entreprises de nouvelles technologies en ville, plus j'ai l'impression que on va avoir des gens à nos meetings, on va avoir un bouillonnement, on va avoir des meilleurs emplois, on va avoir des meilleurs salaires. Mais en même temps, puis nos sponsors locaux présents, bien, ils sont alignés avec ces gens-là, aussi ces leaders mondiaux-là. Donc, on a une perspective de communication aussi, c'est clair. Montrer qu'on est actif déjà présentement à Montréal, puis que la communauté tech est vivante. Puis que c'est ça, parce que là, on a parlé des compagnies étrangères qui voudraient être intéressé à s'installer ici. Mais il y a aussi, nos compagnies locales ont besoin d'engager, elles aussi, en fait. Donc, il va y avoir plein de gens qui sont des très bons programmeurs, ou en tout cas des gens qui sont assez allumés. Il y a une foire à l'emploi, donc en fait, nos compagnies locales vont être capables de rayonner aussi, se faire connaître par d'autres entreprises, puis d'autres gens, en fait. Après la Silicon Valley, la Saint-Laurent Valley.